d'abdition à Congo central, Bouzali Baïki, vous prenez l'abdition à Tongo Alelo. Mesdames et messieurs, je leur ai le plaisir de vous savoir très nombreux. Pour tous qui nous suivez à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville. Merci de votre sympathique attention accordée à la chaîne de référence. Donc, écoutez, Nabino, je suppose un compte. Il y a deuxième partie à magazine Nabino, rendez-vous des auditeurs. 82 33 33 749. 082 33 33 749. Justement, tout le monde est sur l'actualité dans Tongo Alelo. Vous savez que Vital Kamerhe, sans surprise, a été élu président de l'Assemblée nationale sur 407 votants. Il a obtenu 371 voix sur 407, justement, 36 bulletins nuls et blancs confondus. Tobet a dissolu justement et a composition désormais à bureau définitif. Vital Kamerhe, oui, justement, a complété Jean-Claude Tulumbaï, Yaïdepes, Christophe Mbosunku Diampuanga, ACRD. Vous savez certainement que la candidature de Christophe Mbosso a fait polémique. Nous allons devoir en parler au cours de cette émission. Votre magazine, rendez-vous des auditeurs, Bande Kobalandia, Laka Yabusomi. Merci infiniment pour l'attention à Bino, à Tongo Alelo. Bonjour, Biazana Sima, à Caméra, Onésime Singani. Onésime Singani qui devra vous remplacer ce matin. Junior Kassanda. Junior Kassanda, communauté. Bato Baibi, Junior Kassanda. Si vous voyez, vous savez qu'Onésime Singani a besoin de Bino. Alors, 82-33-33-749. Ce matin, tout comme après la binôme de Igbole Ndombo, Azali, président fondateur du mouvement citoyen éclairé, de Igbote Nayo. Mbote na ba yon soba kouka biso na mongo. Et c'est mon pona biso kwa mbo na studio Radio Liberté Kinshasa. Et c'est mon pona ngai. Et Azali pe mbala libo soutou yamba yon na studio na biso na Tongo Alelo, magasin en auditeur et tombe liyo, mouye bola. Merci Nabino, na sepele ndenge nazali awa et puis nazali ouvert pour na question to ya nula ba question Nabino. Bien entendu, bazar ba direct hein. Ça c'est très bien. Nalinga raconte direct. On ne filtre pas ici. J'adore ça. D'accord. On va coup direct là. Alors, parce que vous signez votre toute première participation dans le magazine Rendez-vous auditeurs, généralement nous souhaitons bon ramingi to ba mututu yambi. Après ça bisu point de vue naé sur comment ils trouvent la gestion du pays. Il y a un secteur, par exemple, où il y a un peu de temps, puis il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, on a un peu de temps. Nazali président fondateur il y a mouvement citoyen éclairé objectif Nabiso Zali en effet que la moussa hein, mentalité à congolais tous à la mentalité moko positive parce que tout canici était ce qui va mentalité Nabiso Nyoso est comme positif moka Nabiso éco s'est développé et on a vraiment tout kende dans mouvement au repos toujours visé développement et moka Nabiso à travers mentalité Nabiso. Alors, il faut savoir que biso ba congolais tous avons souvent l'habitude ya ko tala ba biloko surtout ça les mabiente parce qu'en effet nous sommes un pays on disait à l'époque pays sous-développé ben bon to comme koloba en voie de développement parce que tous allés ko aspirer t'es tout mis développé ba secteur ezali ebelé o na nous ont fonctionné à 100% mais na moins d'ambo ndenge tout ça là tous ont encouragé ba congolais o ba zo bunda dans différents secteurs pour que ma camboune soit et salé ma malamou, tout sont encouragés. On a fait ça d'un exemple simple. Tout le barama B, il y a un roulage dans Nzela, il y a un tracassé Nzela, gauche-droite. Mais ce qui est à Nzela, il y a un roulage à Zate, il y a un roulage à Zate, tout le monde a un désordre dans Nzela, comme il y a un roulage à Zate. Alors,
malgré le fait que bah Moussa les autres les matés comme il faut, mais bah oh basali on a baso permettre que moi mon cœur tout ça n'a pas tout comme Moussa là tout va retourner. Alors moi je suis vraiment pas na optique y a qu'au bête abattu bah film beau tout y a qu'au bah macabre nous c'est ma belle les autres les matés surtout parce que ça Elie qui a nabissu nous surtout tiens monter ma nabissu na macabre y a bien les autres ça là où est un beau cannabissu qui est libre surtout à la positive tout continuer qu'au tal à macabre les autres qui ne malais mais malais mais puis que surtout chaque Congolais a qu'au canard contribue individuellement dans mon canal avant tout n'est l'eau connu l'état et que ça les laïo yomi tout n'a yo en tant que congolais et l'eau connu n'y a qui que ça là pour que état congolais et m'y comporter mieux car que l'eau qu'on a mouqué aux hommes à qu'ils aient l'eau qu'à malhonnête ce qui bisogne surtout ça lié à mon boué au moment à coeur mon cannabis ou et qu'on soit en pleurs et plutôt que se développer. Alors en ce qui concerne ma point n'est pas c'est n'a pas ça va pour n'a le bique et au plus à point de vie pour la gestion et puis présent c'est qu'il y a job oui oui point de vue parce que le bi point de vue et puis le bi peut être certain là on peut s'appeler cotation cotation tangi ba sur le secteur où enseignement par exemple secteur économie sociale pesa kitoko le bi par exemple les membres table pesa kitoko yo ko pesa point de vue nayo na ba secteur yo soit na mesimo pesa cotation. Alors ngai ce qui na le bi na pesa point de vue ngai na ko pesa point de vue ngai na axe au et tout ça là. C'est-à-dire axe où il y a mentalité na biso il y a ba congolais on les a point de vue place na bozala. Alors pour na nini to biso na ndenge na biso MCE na zo pe sa point de vue na ndenge ya ba mentalité na biso parce que ezali eloko oyo na makambo nyoso tozo sala eloko zo freiner biso ba congolais pour être tout ko kende di boso te eza d'abord makanisi na biso eza d'abord mentalité na biso eza d'abord conscience na biso ba lobaka soko ozu ndindi et ko tie na kati ya château ndindi ya kozonga kaka na kati ya poubelle. Alors makanisi na biso to longola makanisi na biso ezala makanisi ya mikie to faire évoluer makanisi na biso c'est vraiment ezo sala ke ba congolais to évoluer peut-être pas ezo sala ke ezo bloquer développement ya mboka na biso malgré ba effort vision na makanisi na biso loko les ana nous clarté yangwana yo monique biso bato ya MCE mouvement citoyen éclairé to tie éclairé citoyen éclairé pour être biso en tant que ba citoyen congolais to ko participer activement au développement de la République démocratique du Congo. On a vraiment Ozali point Oyo ici Kabiso tozo chassete pe na ndenge pe makam ndenge mboko zo kende. Na makam eta changement de mentalité, tout ce qui dit tout retenir nini. Tout le va que tout ce qui dit il y a une amélioration, ce qui lobi bato bazai ko iba musolo, lo bazui ba musolo te, de tourner mes ate ce qui va ko ba papier na nzela, musoto na nzela bato ba ko tout le bac bourré bacani bon à bango le logo ça les malicieux sur bon côté et la terme un changement de mentalité vous parlez en fait dans là vous touchez quel secteur principal. Alors le changement de mentalité est au toucher bas secteur news et au toucher bas secteur il y a gestion de la chose publique et au toucher bas droit n'a pas devoir il y a bas citoyen congolais news. Ça veut dire que c'est un secteur moins que là transversal. C'est vrai que dans le domaine d'un changement de mentalité depuis que le président Félix Aza en action, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais la bonne chose, au Ezou Salema déjà, balobara que moto ya liboma, soka yebik Aza liboma, akomiko bika, malembe malembe na liboma naye. Président Kabila era tika ki pouvoir naye, à la fin de son mandat, à l'obaki, loko nazo regretté, Aza de n'avoir pas pu changer l'homme congolais. Alors, le président Félix a yen esprit à changement de mentalité. Vous avez cœur déjà tous à nakatia esprit ou à cœur de mieux rendre compte déjà que sa mentalité n'a mis son bloqué, mis son secteur nioso. Ce qui n'a qu'une agriculture, n'a qu'une économie, n'a qu'une finance, n'a qu'une élevage, n'a qu'une budget, n'a qu'une secteur régalien, même yambo, canaba, macabon, tout ça là. Beaucoup mon akata, tout balou qui te tournait aux zongi, on a un problème d'homme. C'est un problème d'homme. D'accord, d'accord. Alors, vous êtes expert et consultant en finance publique, Nangina soit expert en finance publique. Tout le monde est en mode d'aller économique. C'est moi qui vous maîtrisez les secteurs. Les lois sociales. What is the taux? The taux, the taux. Vous avez des soirées comme what is the taux? What is the taux? What is it? Ça va bien. Et comment? Et tout ce qui va avec le sport, je ne me rappelle pas dans les détails. Le taux aujourd'hui, c'est justement parce que les gens s'interrogent sur le taux exact du Congolais. Bon, on peut faire usage sur le marché de change. Ouais. Mais les loyaux, vous voyez que tout, ils ont posé problème. Il n'y a pas de taux par rapport à la conséquence sur la panier aménagère.
Bien sûr. Vous savez que le taux aujourd'hui est grimpé, hein? Ils en ont 28 dollars. 28. Et bon, là, ce n'est pas pour changer, pas on est là, parce qu'aujourd'hui, le Congolais, personne ne contrôle personne, et que ça influe sur le citoyen lambda qui nous sommes. Et situation sociale, les Congolais, ils ont justement fouillé à Makambo Tokoloba. Mais nous, on a un aspect à finance, secteur Wana. C'est ce qui est dit, évolution dans les années. Mais en fait, et là, je reste constant dans mon raisonnement à dire que nous avons un problème d'homme. Pourquoi nous avons un problème d'homme et nous avons un problème de mentalité? Mais ça doit être, c'est une politique qui doit venir d'en haut. Mais une politique, mais qui ça, d'où, comment ça vient d'en haut? Qui a en haut? On n'a pas des extraterrestres en haut, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, que ce soit du sommet à la base de la pyramide, que ce soit de la base au sommet de la pyramide, ce sont les hommes congolais qui doivent implémenter tout ça. Il faut que toi implémenter une vision commune, une façon de faire les choses. En matière de finances, Bouzou, Makamwato. Mais vous parlez de taux parce que, je ne sais pas si vous parlez de taux parce que c'est à la mode ou bien parce que le Congolais ne produit pas. Vous vous étonnez dans un pays où vous importez 90% de tout ce que vous utilisez, que ce soit la nourriture, l'agriculture, la tout ce qu'on utilise, 90% de ce qu'on Alors, utilise. Alors, qui est le problème derrière ça? Mais c'est l'homme congolais. Mais ça, justement, mais il faudrait voir les dirigeants. Non, vous ne voulez pas pointer le doigt pour les présents publics. Non. Ce n'est pas question de pointer du doigt du président. C'est une question de responsabilité individuelle. Chaque Congolais aujourd'hui doit se responsabiliser individuellement. Parce que c'est vraiment très facile de pointer du doigt du président de la République, de pointer du doigt X ou Y, alors que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous avons une responsabilité individuelle. Moi, dans le mouvement, en tant que président du NCE, j'insiste sur le fait que les dirigeants ont leur part de responsabilité sur la façon dont Mokanabis est géré, mais le peuple congolais aussi a sa part de responsabilité. Alors, ce qui est le mouton là-bas, parce que là, on doit entrer dans le vif du sujet, mais président, vous préférez bien qu'on vous appelle président fondateur. J'adore. C'est compliqué, m'a dit avant cette émission. Alors, mais déjà, le président Tshisekedi. Il a quand même une politique. Il a présenté un programme sur base duquel le peuple congolais a élu pour un deuxième mandat. Alors, politique, où on a eu, où il a prévoyé qu'il, par exemple, en matière d'agriculture, millions de colombes, toujours produits. Mais qui est responsable? Est-ce que, par exemple, vous ne pouvez pas. Vous savez que sur le dossier, je paye ça va tout crédit. Par exemple, en matière agricole, et tout ça, je ne maîtrise pas les secteurs. Vous êtes expert, mais comment voulez-vous dédouaner aujourd'hui le gouvernement, le président de Tshisekedi qui est dans l'équipe de Mobimba, par la balance de sécurité à niveau Nini. Ceux qui baron va s'être déjà à Bango et que peuple a s'arrêter parce que vous dites qu'à votre niveau, par rapport à un mouvement citoyen éclairé, vous souhaitez que chacun soit responsable dans la place à Zali. Mais par la balance de sécurité à niveau Zali. S'il faut dire, par rapport à un programme présent, c'est qu'il y a un président qui, au bas, comme on va voter, c'est basé en haut, ou le lot surtout, le bas, il y a des finances, il y a un problème, on le vient à la problématique, socle, dans le fondement, il y a ces années de production, donc nous ne produisons pas, qui est responsable? Alors, qui est responsable? C'est vrai que tout en a tendance rapidement de dire que le pouvoir public, il faut disposer à la population les moyens nécessaires pour que Coca-Cola produire. D'ailleurs, Bon, il y a un discours à président de la République, à l'Obaki Karoutia, la jeunesse au centre et à mandature dans les 5 prochaines années. Mais même, on a fait une proposition. Vous en croyez un mot? On a fait une proposition. Non, mais déjà là, on voit la proposition du bureau définitif, bien que nous allons dans les détails. Ça vous dit quelque chose? Un message Écoutez, parler des jeunes, le fait que moi je ne suis pas là pour défendre ou pour incriminer. Moi je suis là pour faire des analyses justes. D'accord. Ok. Alors, parler de la jeunesse, ça ne veut pas dire que Batié, Bamikolo, Nyoso, Pembeni. Parce que Bamikolo, Bazan a expérience, Bayepindengeni, Mboke, Kenda. Mboso, par exemple. Il n'y a pas de problème. Oboni, tout pouvoir vient de Dieu. Hein? D'accord. Mboso, il a vécu dans une époque. Papa Bazaki. On va y arriver. Je reviens. Ah, il a vécu dans une époque où Papa Bazaki est béni. Mais pourquoi il n'y a que lui qu'on cite? Plusieurs fois, ministre. Plusieurs fois. Et ça dit qu'on a mis pas ce qu'il a dans son porte-parole. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'il a ou
qui intéresse ceux avec qui il travaille. Moi, je n'entre pas dans les détails. Et là, on a mis à répondre à la question de Nayo, c'est que la politique au président de la République a l'oblique à ça, la toi qu'on a implémenté. Il faut savoir que dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de l'État, même les politiques, ils sur le court, moyen, long terme. Sur le court terme, il y a par exemple, bon, moi je vois, hein, donc, par rapport à Manel Ekis, par rapport à Manel Ekis, tout le monde va dire que simple, gratuité de l'enseignement. Maintenant, on va parler de la qualité de l'enseignement. On était d'abord dans la gratuité, maintenant il faut qu'on monte de niveau pour parler de la qualité de l'enseignement. Mais on a déjà commencé quelque part, tout le monde gratuité en maternité, et puis on va voir maintenant la qualité du service produit. Je suis vraiment de ceux où on va encourager, alors sur 10, les lots, beaucoup plus statistiques, dit bonita la caméra. Sur 10, ce serait très bête de ma part de donner. Sur 10, ce serait très bête ou pas très malin de ma part de donner une cote maintenant. Dans la mesure où Azokot a un deuxième mandat. Mais pour la dibosso au moins, Nabibanda Azokonzi. On a personne à Tshisekedi. Pas institution président de la République qui, aujourd'hui, s'il faudrait parler en termes d'égalité, a un deuxième mandat. Là, au moins, on ne peut pas compter, on ne peut pas faire un calcul dans le sens où il y a Bilan, par exemple. Mais s'il faudrait prendre Tshisekedi comme individu, Moto Azana Kitia Bokonzi, Moto 2019 Pino Lelor, il n'y a pas sa cotation dans le coup là. L'individu Tshisekedi Azokonzi. Qu'on faire appliquer politique naïe pour dire qu'il y a une sacrée. Bon, je comprends la question hein, et je comprends le fait que Zolingana pèse ça une note. Hein, et tout le monde comprend aussi que je suis en train d'éviter de donner une note pour des pour la simple et bonne raison. Et vous avez déjà salué ici quelques avancées. Oui, bon, sur. Il me met devant en fait à copier, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou chers auditeurs. Sur 10, s'il faut donner 10, moi pour l'instant, je lui donne la moyenne. 5. La moyenne. Ça veut dire 5, 6, il est dans la moyenne. 6, il n'est pas. Il n'est 5, pas en... 6, on retient. Ouais, 5, 6. Il n'est pas en. On retient 5, 6. On retient 5 ou 6. Ah. 5 et demi, 6. En tout cas, on retient qu'il a... il est dans la moyenne. Maintenant, nous espérons que dans le deuxième mandat, il va aller vers l'excellence. Alors, 82-33-33-749, président fondateur, il y a un mouvement citoyen éclairé. Il y a actualité dans Tongwale. Alors, rapidement, tout à l'heure, je le disais. Vital Kamerhe a vu tête à président Totoba, tête à bureau, il y a Assemblée nationale, chambre basse et à Parlement. Premier vice-président Jean-Claude Isaac Tilumbay, deuxième vice-président Christophe Mbosso, rapporteur Jacques Joly, rapporteur adjoint Dominique Moulongo. Ah, Constant Moutamba. Comment va-t-il nous assembler la gueule? Mais encore que là, il y a un problème, un autre problème, à résoudre. Bon, lui, c'est un opposant, hein, c'est ça? Un opposant, hein? Opposant républicain, hein? Ah ok, modéré donc. Alors, il y a Kester Chimène Polipoli, Kester Adjoint Grasse Nema, justement. Voilà, il faut dire que Bureau allait remplacer respectivement, Bureau allait composer, Bureau allait composer, Nambo Souyazoungi, Bureau et Koti, André Mbata, Joseph Lembi, Colette Lembi, DMLC, hein? Du mouvement Libération du Congo. Notre très chère maman Caroline Bemba n'a pas été justement retenue sur la liste, mais en vrai démocrate, Bemba s'est éclairé. On n'a suivi aucun bruit. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème. L'Union sacrée réglera ça autrement. Alors, il y a aussi Angèle Tabou et Jean-Pierre Canefou, ils ont été membres de Bureau et l'équipe. Donc, Bureau, Oyo, il y a remise et reprise et Koussalima, sauf un prévu lobby. C'est ce que nous rapporte. Notre permanent à l'Assemblée nationale. Alors, Neko Igue Bolendomo, très rapidement, je voudrais que vous fassiez l'analyse globale par rapport à l'arrivée à Bureau, vous puissiez un point de vue d'ailleurs, justement, parce que nous souhaitons que ça vienne de vous, parce que les auditeurs qui vont poser des questions vont vous poser des questions par rapport à ce que vous déclarez. Le lot Bureau à Sikai Koti, vous avez suivi les déroulements à l'élection, quelqu'un, nous à lui, est-ce que vous êtes d'accord que les cooptations, les formalités, et que l'Assemblée nationale a perdu son sens, il y a tant que la démocratie où il fallait laisser les gens concourir librement en toute indépendance, en toute démocratie, et ne pas vouloir imposer personne, par exemple, un peu comme Inno Sacré
l'opposition à qui nous a fait de l'avoir fait. Ok. Les députés et ceux qui sont dans, ceux qui ont constitué bateau basalique vote et salema, choix et salema, tractation. Moi, ce sont des tractations politico-politiciennes. Le seul regret qu'on a eu, nous en tant que peuple, c'est de se dire que ça nous a quand même pris presque 6 mois pour qu'on arrive à un résultat que bureau définitif et Zala. Voter, là maintenant, installer, ben, ça la remise est reprise, et nous espérons peut-être que le week-end, le gouvernement Kobima et le pays va redémarrer. Est-ce que vous pensez que l'Union Sacrée avait pris en otage le pays? Un peu comme les bandes de Koumouba Koulouba. En tout cas, pour être honnête, oui. Oui, le pays a été pris en otage pendant presque 6 mois, et il en va de soi que. Et retarder même le calendrier du chef de l'État, parce que le chef de l'État a 5 ans, un mandat de 5 ans. Là, aujourd'hui, on a pris presque une demi-année pour que le gouvernement ait Bima. Et si on retranche l'année électorale au Yerouzana 2028, il ne reste pratiquement que 3 ans et demi pour que le président de la République a Kokako implémenté politique naïe. Alors, on se rend compte qu'au final, nous, on voit qu'on a perdu 5 mois, mais en réalité, on a perdu une année et demie. On a perdu une année et demie dans la mesure où on a dit non, année électorale plus 6 mois. Donc, dans ce sens-là, on a quand même senti que le pays a été pris en otage. Surtout dans ça, les comparaisons à Banin, en Abyssou, il y a Sénégal, par exemple, où il y a un gouvernement. Donc, on parlait, il y a un système, l'ère commission constitutionnelle, qu'il faudrait revoir ça dans l'avenir. Voilà, il faut qu'on puisse qu'on revoir dans l'avenir que ce qui est président de la République a élu, que le mécanisme constitutionnel est ça là que la célérité, la rapidité, pas que tout, parce que c'est la constitution aussi qui nous ralentit à ce niveau-là. Peut-être, j'entends débat, modification, changement de la constitution, passe tous les cas à la 4e République. Bon, certains sont pour, d'autres sont contre. C'est dans un pays démocratique. Moi, je suis complètement pour qu'on puisse. Pour qu'on puisse intégrer la double nationalité. Mais non. Il ne faut pas qu'on puisse tout le baka modification constitution en utilisant les sujets buzz. Quand on dit qu'on va changer le problème qui gêne, parce qu'entre autres, parce qu'aujourd'hui, avant que nous allons parler, je poserai une question rapidement avant tout j'appuie Bandekounazela à Singa, mais Matali Kamboyega qui n'a mon coloyenga à Wana Kinshasa. Vous êtes certainement au courant de la situation, on va donner un point de vue. Si un Congolais naturalisé américain, qui est venu réclamer la situation du Congo, la politique intérieure de la RDC. Et dans l'hypothèse où il prenait le pouvoir, il a essayé de déclarer le président de la République, entre temps la Constitution congolaise qui dit l'argenterie congolaise est exclusive, c'est une question, un problème réel qu'on doit résoudre. Oui, c'est un problème réel, mais je reviens d'abord à votre première question et puis je reviens et je vais faire ça. Donc, pour finir, la première question, c'est que, bon, maintenant que le bureau définitif a été voté, ok, c'est vrai que, bon, il y a toujours d'un côté ou d'un autre, on crie, ah ouais, injustice, ce n'était pas libre, bon, moi, démarche politique, tractation politico-politicienne. D'accord. C'est entre les politiciens. Mais le plus important pour le peuple, c'est qu'il y ait un résultat probant et que le pays puisse tourner, que le pays puisse aller vers le développement. Donc je souhaite une bienvenue et des félicitations au bureau. Il faut savoir une chose, au-delà de tout, au-delà du côté émotionnel, moi je fais des analyses froides. Tout pouvoir vient de Dieu d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'on est un état laïque. Oui, voilà, tout pouvoir vient de Dieu. Ce qui peut monter, tout le monde apposte mon corps. Au-delà et au nom à sali gauche-droite, il y a quelque part, il y a quelque chose dont le pays ou les dirigeants ont besoin.
que vous et moi, peut-être, nous ne pouvons pas mettre la main parce que tout ça, dans un monde, il y a les réseaux sociaux, il y a buzz où tout le monde dit une chose, mais nous sommes tous qui dans un sujet comme dans un autre. Ça veut dire que si c'est quoi, nous avons Monique, que Pemboso, à Rosala, quand même, la contribution à une Mboka et à Congo. Parce que je rappelle que Bateau, Nyoso, Yabo, Tamarana, Bango, il n'y en a plus aucun qui exerce à son niveau au Yazani. Donc, le coup, nous avons un grâce. Mais nous espérons que la place que nous avons pas au Pessaye. Oui, mais ça c'est le peuple va accuser banane. Ça c'est le tribunal populaire. Justement, j'ai dit qu'il y a eu des allégations. Oui, il y a eu des allégations. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait des preuves. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Nous, en tant que scientifiques, en tant qu'intellectuels, nous ne pouvons pas avoir le débat de la rue. Nous, notre débat, c'est le débat arrive comme il y a l'ampadaire, puis là, le débat arrive parce que jusque là, il y a comme l'ampadaire, comme un forage, il on a pas de tout ça, c'est le débat des rues. Mais justement, ça intéresse. Après, quand même, le père va comme un aboloco, ils ont qu'à débat arrive. Oui, mais non, mais c'est ça, c'est que ça commence. Ça commence à un moment, donc si on doit dire dans la rue, dans le peuple, et puis nous, en tant qu'intellectuels, c'est quand ça arrive au niveau des lois, des institutions, et qu'il faut qu'il y ait poursuite ou quoi que ce soit pour X ou Y, sachez que Moto pas gérer la chose publique pour une raison ou une autre, on a besoin de l'entendre pour des points qui ne sont pas clairs et qui va s'expliquer. Donc il y a cette présomption d'innocence qu'on va arrêter d'incriminer les gens que la justice n'a pas arrêté. Donc pour l'instant, on fait confiance à Pemboso, pour l'instant, on retient 15 ans, mais d'attendre là pour nous servir. Pour l'instant, on fait confiance à la présomption d'innocence. Justement. Et à la bonne foi qu'il a de gérer de continuer, de, à, servir continuer à servir son pays. D'accord. C'est ce que je peux dire. Pour ma colombie, il y a un déconabus au Outaki Amérique, avec ça, là, bon, le pseudo coup d'État. Voilà. Moi, non, là, ça sera le second volet de ma. Je préfère que vous puissiez répondre ça avant que tout soit mal déconabus. Là, c'est grave, et c'est même si j'ai ça une personnalité. Mais l'Ingina est banane, attends ça. S'il faudrait parler réforme, la priorité il y a bureau et le parce qu'il faut dire que je sais pas, Chérubin Kédé avant sa mort, c'est celui qui a répondu sportivement dans l'interpellation à Maria Bureau. Finalement, Charles César qui a quoi quitté. Mais le problème, c'est que par exemple, prenons le cas de la SNEP. Le DG de la SNEP qui a été bien entendu destitué qui est, mais après on l'a vu réapparaître. Il est toujours là. Le pays, beaucoup de gens, vous et moi, nous avons suivi des campagnes dans les médias, dans les campagnes dans les réseaux sociaux, pardon, où les gens réclament la qualité. Vous parlez tout à l'heure de la qualité. Le Kabotani, l'utilité. Est-ce que ces gens-là devront être rédévables? Certainement, dans la place sur Marocamba, vis-à-vis d'un bureau et Yélélo. Si on peut parler en termes de priorité, qu'est-ce que nous devons attendre de ces bureaux? Est-ce qu'ils vont faire le travail des contrôleurs véritablement, ou à cause de la formalité, un peu comme nous avons, parce que X est de la majorité, on doit les protéger. Alors, ce que nous attendons idéalement, comme je veux dire, idéalement, eux, toujours, ils ont un bureau Oyo, et que pour ça, en sorte que la République, déjà, à la contrôleur, il y a pouvoir exécutif. À Kokakoye, comment est-ce que le pouvoir exécutif est mené et géré? Et surtout, que ce pouvoir législatif en place maintenant, et Kokako voter des lois qui vont permettre à ce que l'homme congolais soit placé au centre. Nous, par exemple, Tolobi et Lokomoko. Ici, en République démocratique du Congo, vous vous rendez compte que nous ne nourrissons pas. Rien que la nourriture, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. La première chose qu'on devrait faire, c'est de produire à travers nos lois qui protègent les Congolais, à travers les lois qui facilitent l'accès. Okay, même les accès à petit commerce. Mais voilà, ce sont des lois. La loi existe, c'est question de bonne foi. Aujourd'hui, le président Kaméré, Vital Kaméré, doit s'assurer que ces lois qui existent, moi, j'insiste sur ce nationalisme congolais où les Congolais sont tournés vers les Congolais. Ça veut dire que ma loi ose permettre que tout produire. Ce sont au niveau de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Rien que ces secteurs-là. Et de financement aussi. Et le financement de projets liés aux Congolais, que ce soit à la jeunesse congolaise ou au bateau, entreprendre pour le développement de la République. On n'a pas des banques agricoles. On n'a pas de banque de crédit agricole. On n'a pas de banque d'investissement. De banques congolaises qui appartiennent à des Congolais pour les Congolais. Donc vous vous rendez compte. Alors là, c'est qu'il y a 5 ans durant, c'est qu'il y a un risque pour ça la montée. Est-ce que Mokama Fainai
Ouais, moi ça, moi les a tout le bas, et ça pas point d'amélioration que eux il faut il y a un deuxième mandat que le président de la République a créé un environnement, un écosystème où il faut permettre que bateau basé dans le secteur primaire, pêche, agriculture, élevage, bah quoi pour produire assez que pour que bah congolais bah au cas bah produit aux autres dans la République démocratique du Congo. Dans la nation de Congo, ça vient d'un gros mal à l'oubli, rien que la, au niveau alimentation, hein, nourriture agricole à Goma, Goma fait des échanges avec les pays frontaliers et des échanges qui arrivent presque à plus de 2 milliards de dollars d'échanges pour Nakakatoli à Biloko. Alors que c'est aux Zumbon, on a Bissouana, même bon à budget, nous concentrons sur la pêche, l'agriculture et l'élevage pour que le Congolais puisse produire. Donc on a même le taux d'échange, il y a dollars et coquita. Question de la réduction, il y a taux de train de vie à ma institution. Oui, mais... parce que c'est tout, tout par delà. Oui. Ma vie présidente, c'est à un moment où ma institution budgétivore et les Congolais ne se retrouvent pas. Il a, par exemple, taillé ma part à Lyon, comme on l'a relié à Miet, j'ai même vu dans l'illustration Bassali, au baron, sauf palier, n'est plus tout coupé. Oui, non, c'est juste que c'est une question de calibrer la politique pour que la ressource et la République démocratique du Congo soit équitable. Merci, c'est le terme. Et la équitable. Ou à salaka 1 à 1, ou à salaka 10 à 10. C'est ça l'équité. Et donc, du coup, et l'autre chose, c'est là que le président Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, n'a pas député ni au Sondéni, va voter qui va par le peuple, va faire en sorte que le Congolais soit placé au centre et que le Congolais puisse produire la production congolaise, que ce soit au niveau alimentaire et au niveau de l'entrepreneuriat. Passer en second plan pour le courant n'est pas bien. On a pour quand même, je suis quand même un gestionnaire na yebi même dingue to jiraka batou. Il y a là bien des gens au problème. Il y a comme d'homme non le bakia. C'est un problème d'homme. Et puis d'homme na kacha ba d'homme wana. C'est un problème d'homme et surtout hein, il faut batou bazo la ngai batou et bien batou ça va binoka discours au muto ayibi. Mais il faut regarder le dossier de près pour savoir est-ce que Zamoïbi moi je dis que tant que la justice n'a pas encore mis la main sur quelqu'un, il faut que la musique totala batubako loba batubako kenda gauche à droite, mais c'est important que tout ça ait un raisonnement moko scientifique, tout ça ait un raisonnement moko rationnel constructif, parce que yo pour ça la kamusala aux en la réalité on se coupe dans la musala je ne suis pas là pour fustiger personnellement les gens. Déjà, c'est n'a rien à été personnellement, n'a parcours, n'a été, n'a été ce qu'il fait. Mais en tout cas, public, le peuple, parce que c'est le résultat. À partir du moment où un Congolais est assis à la chaise de décision et qui n'arrive pas à produire les résultats. Mais le Congolais, comme moi, bien. Baba qui appartient à les 15, hein, Ozim. Et là, bien. À partir des 15, Baba qui te va nous. Et là, bien, t'es. Voilà. Donc, à Kende. Ce sont des points d'amélioration que Moutou, on les a dit compétents. Baba, tu sais, n'a quitté la compétence. Baba, t'as rappelé Moussala, n'a rien de gagné à Kende. Mais tout ça, t'as un esprit que tout le monde est petit. Baba, aventure, t'es. C'est. Baba, l'homme, on soupe, et soit le temps. Le temps que Moutou. Tout ça, patient. Tout ça, patient. Et puis que chaque Congolais individuellement. Moutou, t'as un petit besoin de bateau, c'est vraiment comme Snell, comme électricité. Mais bon, il y a un côté, l'année dernière, Baba, ça, la rabat installation, la bande à Banda. Au moins, on monte à ligne naïa courant, avec ils font des raccordements frauduleux. La SNEL a joué dans la cabine pour que Batouba Koka puisse se connecter de manière légale. Mais Batouba Zoui n'a pas foutu à ma courante. Batouba Zoui, il va partir à la gîte des zones à SNEL. Celle machine, ça, madame, on a pas vraiment. Oui, oui, mais c'est vrai que ce sont des problèmes, ce sont des sérieux problèmes que nous relevons. Et il faut total, dans quelle mesure, tu comprends que bon, il y a un problème. D'accord. Igabo Lendombo, il est président fondateur du mouvement citoyen éclairé, SPR et consultant en finances publiques. Naël Onleto Kobetel Isoulou, il y a rendez-vous du deuxième parti à Mkoualelo, 082-33-33-749. Vous êtes déjà en train de nous appeler, soyez patient. Rechargez vos unités, vous aurez des questions à faire poser. N'a invité Nabissou à Mkoualelo, l'a rappelé Kazali, SPR et consultant la finance. Donc, SPR justement, consultant en finances publiques. Igabo Lendombo, j'aimerais que vous puissiez parler. En quelques mots, dans le parcours, il y a Kamerhe. Aujourd'hui, Kamerhe qui prend la tête de l'Assemblée nationale, 15 ans après, il retrouve son perchoir. Kamerhe, bon, il a, c'est un vrai politique. Est-ce que c'est le fruit, il y a ma stratégie, comment on l'appelle encore, le cerveau
Le cerveau, comment, il y a un nom là, le pacificateur. Le pacificateur. Bon, il a joué tout le jeu, tout le coup. Il est dans tout. Il a été avec Abinard. Il est avec Tshisekedi. Il a fait, beaucoup ont dit même que c'est lui qui a fabriqué Tshisekedi pour le ramener au pouvoir. Je ne vais pas emprunter ces mots. Mais problème, Lelo, Kamere retrouve 15 ans après, tête et Assemblée nationale. Pour sa point de vue, non, aussi parcours, et tout ça, j'aimerais que vous puissiez quand même me dire un mot. Aujourd'hui, l'image de Kamere à la tête de l'Assemblée nationale, il est deuxième personnalité du pays. Est-ce que c'est finalement un offre de soulagement pour qu'on puisse dire on a véritablement un compétent, quelqu'un qui se connaît à la tête de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Alors, c'est vrai que l'image du président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamere, honorable, excellence, comme on aime bien le dire, et ça a un parcours en dents de scie. En dents de scie, ça veut dire qu'il y a eu des hauts très hauts et il y a eu des bas très bas. Hein? C'est un parcours où le cœur, par contre, l'union sotozali, spectateur, tout assisté, mais bon, nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays où le politique, baso exercé, le pays est en train d'avancer d'une certaine manière ou d'une autre. Certaines personnes sont d'accord, d'autres pas, nous voulons améliorer. Mais voir que le président Kamere, a Kendeki, problème, 100 jours, il voit qui est, il a même purgé sa peine, ce Bolandi, il a été acquitté. Il a été, non, c'est ça, il a purgé une partie, qui est en prison, en détention, et puis il a été acquitté. Ce qui Bolandi, même discours, n'a pendant le procès, à Banaï, que lui, c'était un homme d'État et qu'il a. Ah, comme sa secrétaire. Non, c'était le président qui m'avait envoyé. Voilà, il ne voulait pas tout dire là. C'est un homme d'État et que lui, c'est l'État congolais qui passait avant, et que si l'État le mettait en position de se justifier, il allait le faire. Il a pris et jusqu'à présent, il continue à subir cette histoire-là de Oyo et Zolandaye. Mais n'empêche que le président de la République et la justice congolaise l'a acquitté. À partir du moment où la justice t'acquitte, tu es propre et tu reviens. Et ça, c'est un casier judiciaire. Même si l'image a été écornée, l'image est salie. Et ça, c'est un mot où il y a matière fécale. Ata au pangoussi, il y a un sol et gothique. Vous voyez ce que sous loin, il y a un lobby pour Nayo. Et ça, l'impact de mon côté. C'est à lui maintenant de démontrer, d'aller dans les extrêmes pour montrer que place au Batubacha qui est à Mabé et que sa place Wanate, et que lui, par la qualité de son travail, parce que Nangonga Oyo, président Kamere, président de l'Assemblée nationale Kamere, il a le plein pouvoir de démontrer l'inverse de tout ce que les. Est-ce qu'il y a une position en cause vis-à-vis justement, avant dernière question, pour est-ce qu'aujourd'hui, position Kamere Kozoa, justement, comme vous l'avez dit, ça serait une occasion pour lui, une opportunité pour à démontrer mon Kiliki Azali au Bakanisaki. Oui, c'est une. Est-ce que Kotia est dans un porte-fou dur? Le Kotia est dans la confusion, t'es dans la union sacrée. Il dépèse, parce qu'il faut dire déjà qu'il dépèse, est prêt à tout. Hein. Oui. Quand on veut vous acquise, on vous acquise. Oui. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, Kamere, ceux qui ont ça là, oh, le monde, le Bawana, ça là, pas là, qui ça mon Kiliki, Assemblée nationale, temple à démocratie, aux députés, aux ministres, à IDPS, me conduire, on vous frappe. Est-ce que ça sera le cas? Et si c'est oui, parce qu'il faut laver l'image, est-ce que vous préparez opposition à été pendant aucun là-dedans? Candidat 2028, par exemple. Bon, après, moi, ce que lui, le président Kamere, le président de l'Assemblée nationale, a dans la tête, moi, je ne sais pas, je ne peux pas prédire. Mais le retour au bas, c'est que là, maintenant, il a toutes les cartes pour démontrer au peuple congolais. À risque et péril, à ses risques et périls, mais surtout, il va le faire aussi de manière démocratique. C'est pas que à quoi évoluer en électron libre. À la présidence de l'Assemblée nationale, il aura 500 députés avec qui il travaille. Et puis, en même temps, le président de la République, qui est le garant de la nation, va vous aller en symbiose pour faire en sorte que la machine puisse tourner en bonne et due forme. D'accord. Mais là maintenant, Azap est dans la carte pour nous démontrer dans la Congolais que Igbo Lendombo, président fondateur du mouvement citoyen éclairé, Kamere, puisque vous parlez de Kamere, Kamere qui a frôlé quelques jours avant son ascension, dur président de l'Assemblée nationale Lelo. Il a frôlé la mort, lui et sa famille. Votre point de vue par rapport à Makambele Kaki, je disais tout à l'heure que un Congolais naturalisé américain qui est venu réclamer la situation, dire s'ingérer dans la situation interne.
Je voudrais que vous donniez votre point de vue si la situation globale. Et ces jours-là, vous étiez à Kinshasa ou ailleurs? Non, j'étais à Kinshasa. Et Pingébé, non, mais c'est vrai. En fait. Parce que la veille, le lundi, beaucoup de gens m'ont dit que. Vous avez vu le message? Je salue Maître Bosco au Capen. Rentrer un peu tôt ce soir. Ouais. Il faut rentrer un peu tôt aujourd'hui, hein, quelque chose comme ça. Ça crée la psychose dans le peuple, ça crée panique. Alors, ce que je peux dire par rapport à la question Tunis, c'est une question fondamentale. C'est normal que Batou va s'épelater d'une manière ou d'une autre, va revendiquer droit à Barro quand les choses ne fonctionnent pas dans le pays. Mais n'oublions pas, nous avons quand même des acquis. Ça fait depuis Bokanabuso O existe acquis, Tozoaka jamais une passation pacifique du pouvoir. Héritage Oyo Kabila, Joseph Kabila à Tikelibuso à travers Félix Tshisekedi. C'est que deux présidents, c'est pour la première fois que dans notre pays, deux présidents bakokako vivre nakati amboka parce qu'il y a eu passation du pouvoir. C'est là. C'est là qu'il est. Avant de répondre à la question. J'insiste que je ne suis pas dans les débats qui ne sont pas scientifiquement prouvés. Je suis dans un débat qui élève l'esprit des Congolais. Je ne suis pas dans des commérages. Je n'ai pas de problème. Alors, on est dans un pays où il y a quand même eu une passation de pouvoir pacifique. C'est un acquis. Ce qui moutou à Monique Mboka Ezoke de Bienté. Mais oui, vient dans les voies légales, vient légalement, parce qu'on ne peut pas permettre à ce que Mboka Ezunga, que Mutu aille par les chemins des armes, parce qu'il n'est pas d'accord du pouvoir en place. C'est la personne des Camerounais oui, qui a pris la Je reviens. On ne peut pas permettre l'insurrection dans un pays où on a eu du mal, tant de mal à installer cette démocratie, où il y a des élections, ça va nous rétrograder. Alors, pour notre président Camerounais, bon, comme Malobi, Libanga, Manga, c'est vrai que là maintenant il a accédé à une fonction stratégique, c'est normal que peut-être que Batouba est tout simplement. Est-ce que c'est là, vous confirmez selon vous la thèse, il y a tentative à coup d'état? J'aimerais avoir votre analyse par rapport à la situation de qui, et puis dans le point d'intervention de Mandeko, Nanzela Singa, 82, 33, 33, 749. Non, moi, je ne pense pas que c'est une tentative de coup d'État. C'est un coup de gueule. Ce sont des personnes qui sont venues revendiquer malencontreusement des choses qui sont peut-être fondées par rapport à Bamakamunabango. Peut-être le fond est bon dans le sens où c'est des Congolais qui revendiquent un changement, mais la forme, elle est complètement biaisée. Ils ont pris en otage le palais de la... Ce n'est pas un coup d'État, non, un coup d'État, bah, mais vous n'êtes donc pas d'accord, on a gouvernement. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Non, ça veut dire que. Bon, après, ça c'est une analyse faite par moi en tant que personne. D'accord. Maintenant, peut-être que les porte-parole de l'armée disposent de plus d'éléments et de plus d'informations que pour dire que c'était une tentative de coup d'État. D'accord. Mais moi, au vu de ce que nous on a vu, et la coup d'État, ça les marins dans le monde, on prend. Vous posez vos. Respect à ce que Benki ou Benki qu'on débordait un peu comme le faisons souvent Makatio n'a pas sauf Finga ou poser question à vous. Soyez un peu bref dans ma question de n'est pas de ça la baninga pour l'examen maël était pour le moment BP a invité la gâte et sous aux ordres d'accord et pour bien en hôpital d'accord 82 33 33 749 Onésime Singani, vous n'avez pas donné le papier ce matin pour mon invité devoir répondre aux questions des intervenants. Je préfère, voilà, merci de mettre là les questions des intervenants. Alors, nous prenons les tout premiers intervenants de l'émission. Allô, bonjour. Bonjour, on décontinue le volume à rater parce que j'ai une émission. Question de moi, il est d'aller plus sous forme et à penser mon goût. Invité d'ailleurs à côté pour enrichir en haut. Tant que vous ne pouvez
entraîner l'équipe de la Champions League, mais on a pour la gestion après sur le résultat. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes ont acquis la cinquième position, pourquoi nous avons la troisième position. Alors on fait selon tous les moyens possibles de ta politique en tant qu'entraîneur pour avoir bien des vaccinations à eux. Mais si tu as bien des vaccinations, tu n'as rien de même pas les durées de temps qu'on a contraint à eux. Je veux comprendre, Azubi, pour la Tshisekedi, selon lui, il n'a rien fait. C'est ce que je veux comprendre. Vous allez être bonjour, Nicolas. Bonjour, Dimine, volume à radio, pas sur Bon, non, le ballon, tout le monde, moi, question à la Tshisekedi. Oui. Question de vous, ça, le piqué, mais c'est Félix Azubi, la moitié. Azubi moyenne, oui. Abi 5-6. Abi 5-6, je vais prendre les combien? Je vais prendre les combien? Ah, bah, là où t'as tâté? On a 5 ans, on a après ça, on a avec là-bas. On a réalisé pendant le mandat, le premier mandat n'importe quoi. Et puis, Azubi va qu'il a mis ce mot, c'est ça pour voir et où tu fais ça. C'est que, dans mon amour, pour venir, pour que ça, tu vas me sortir à la rencontre. Allô, bonjour. Bonjour les copains, je suis invité à yo et ça n'est pas si ma famille est comme moi qui est invité à yo à faire pour le Kamoussa dans le plateau. Pour les Akende et placer au Rico, vous devez payer facilement à ce moment-là. Papa, on est dans la page. Quand même, on fait le côté pour avoir une économie à Wassalimou. Par contre, on ne va s'attendre à rien dans le gouvernement Oyo. Félix a échoué, quand même a échoué, Mbote a échoué, car révolutionnaire n'a mis KO. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, de bonheur. Bonjour, papa de Zoukal. Émission là, on donne la parole aux auditeurs. Sogo, auditeur, la dengue qui va pas auditeur, il fait à s'exprimer. Et la parole aux invités. Pour tous les langues de vos mouvements citoyens obscurs, il y a l'audité. Tout pouvoir vient de Dieu. D'accord. Même un pouvoir fait au pharaon, là, pouvoir, il y a Rouen, côte nos orbes, et où t'en as un. Mais dans ma rabou, là, pour qu'ils disent un peu pouvoir, là, où t'en as un. Oh là là, allô, bonjour. Bonjour, les bobonnets. Bon, toujours quoi, papa. La fête présent pour la terre modèle, les copernistes, la catapou. Donc, premièrement, nous voyons que les bobonnets sont présents pour la terre. Ah oui, pour sentir que non, et ça, c'est égoïsme, mon corps. Comment nous nous sommes présents, nous avons la bonne terre. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, le gouverneur. Bonjour, les députés. Vous avez une table de la banque par l'interne. Merci beaucoup. Je n'ai pas invité les députés. Je n'ai pas de la déjà en République. Pour quand il y a des gens qui ont fait un match, pour quand il y a des gens qui ont fait un match, pour quand il y a des gens qui ont fait un match. Merci. Merci beaucoup. 82 33 33 740. Allô. Allô. Alors bonjour papa, bonheur, bonjour l'invité, papa, papa, je vais inviter la biseau à l'audi Oyo. C'est un fois pour ça, il y a peuple congolais, papa, on a dit, il y a l'audi. Et ça, c'est moi là, papa. Je vais essayer, bon, à son loba Oyo, il y a solo, peuple congolais, à sa derrière, à Chibéton. Oui, il y a ma de la biseau, famille, il y a la zone gagnée, à la kisa. Peuple congolais qui a travaillé pour la Rwanda, a travaillé pour la Congo, a travaillé pour les imaginaires, où il va être en train de se faire. Il y a sous-traitants, quand il y a des gens qui ne sont pas des gens, il y a des gens qui ne sont pas des gens. Merci pour la passion. Allô, bonjour, je suis David à Patian Alema. Est-ce que Kabou a l'ouvert le pouvoir de l'État à Kabila? Il y a ça, le pouvoir de Kabou. Alors, il y a des gens qui ne sont pas des Merci beaucoup. Alors, bonjour, le bonheur.
Allô, bonjour. Allô. 082-33-33-749. Nous recevons pour vous dans ce studio, mais c'est Yves Mbole, c'est ça, non? Mbole Ndombe. Excusez-moi. Les noms semblent être difficiles aussi. Hein. Bon. Bah, j'ai la nomination, tant on va nommer européen sauf nationalité, moi, au cas, moi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Deco. Allô, bonjour. Bonjour de commentaires pour te l'inviter, pour te faire d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça nous dit bon lieu. On a eu un temps de paquet, tantôt il était pour la corruption. Mais hier, changeant ma tête, je vais soutenir Mathieu Valère. Il y a beaucoup de temps de changer ma tête, on va vous soutenir Mathieu Valère. Il y a beaucoup de temps de changer ma tête, Mathieu Valère. Tout le monde est dans l'Assemblée nationale. Si vous ne pouvez pas camérer, les sujets nous sont d'accord, on a mis sur la fin sur le Kétawaki, beaucoup les rêves de Kétawaki. Allô, bonjour. Les compléments à Bandal. Il est parti, hein. C'est pas de ma faute. Alors, on va prendre quelques intervenants rapidement. Tout le monde a surtout clôturé. Série d'appels. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, de Robin Gab Komodan. Pardon? Aux Andes, Retina Radio Liberté Kinshasa. Je suis ça, vous êtes toujours là? Oui, au Allô, bonjour. Allô, bonjour. Le compagnon est toujours au cas. Le compagnon, la bienvenue à la commune en Gaba. En Gaba, toujours au cabinet. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, de quoi? Bonjour. Oui, papa. Comment on a ma femme à l'histoire, la dame a commis la télé. Merci, toujours au cabinet. C'est vrai que l'autorité au tout pouvoir vient de Dieu, et la qui s'en a qui est au peuple et l'indino, et pour l'autre, et pour moi, mis bon aïeux. Il y a, pour votre, et les athées, donc, voilà. Mais pour lui, il y a ma conscience, il y a Congo, la Congo, la Zambé, c'est où il y a Zambé, c'est là, proximement, c'est le matin, c'est le EDD. La porte à gouvernement, il y a Snell, là, par les idées, tout ça. Déjà, problème, là, il y a Nimi, il y a gouvernement. Déjà, ma projet, ça va viser Oyo, le gouvernement, pour acheter la domaine, le domaine de l'OAC. Merci beaucoup. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Valé. Bonjour, ton invité. Bonjour. Bon, Nalanda qui l'écho, le colique à l'écart à la kiosque, sur le mouvement citoyen laïe, à l'obac qui est éclairé. Mais sur le plan politique, il y a les gars vraiment, en tout cas, comment remettre en cause un peu l'éclairage où il y a qu'on va porter dans tout. Nani Boni. Pardon? Nani Boni, Nalobi. Obscurité dans Nani Boni. Oui, oui, à lobby éclairé, à insister à faire la cathédrale de manière scientifique par rapport à l'Etiamboso. Est-ce qu'à mon idée, l'avènement à Mboso, la pêcheur Kuna, tout le monde qui a accentuation de la inégalité des revenus, à Zuin, que ce soit une affaire du Dion, la députée Balongwe, la normale, la République, même selon le revenu moyen d'habitants, partout, il y a $21 dans un pays pauvre. Et c'était grâce à Mboso, c'est bon, le bon, grâce à Mboso. Mais non seulement c'est la délinquance financière qu'on a tous observé, mais même les télématiques, contrôle complaisant exécutif, tout ça à cause de Mboso, parce qu'il y a la Kiwana. Et il y a le dernier consultant en finance publique, après si je dis que c'était du moyen. Mais si la domaine il y a emploi, la domaine il y a des extérieurs, pouvoir d'achat, stabilité monétaire, autosuffisance alimentaire en production locale. Est-ce qu'il y a un monde qui est côté Kiwana? Par contre, c'est quoi ça vient voir le bâtiment là, c'est aussi des moyens. La défi majeur, il y a pays. Celui qui a répondu en amont, sécurité. Alors, bâti de ce qu'on a arrivé, c'est qu'on rétablit des déjà à l'échec. Mais la question que lui dit par rapport à propos au Félix Simon à l'Obaki, c'est ce que nous vivons actuellement. Moi, j'ai été objectif. La ZAP est scientifique. Il peut me répondre de manière objective et scientifique. Merci beaucoup, Ndeko, pour l'intervention. Alors, on va prendre trois interventions. 30 secondes, nous clôturons le série d'appels. Pour aller l'eau. Le but de groupe dans la vendredi, pour le week-end, le but de Kandana Boui. Alors. Le tout premier, on va décompter. Allô, bonjour. Allô. Oui, au papa Bengi Bisouapi. Dans un côté, il y a Manono. On est Manono. Manono. Ah, côté de Guidi. Ah, toujours au cabinet. Monsieur Hardy, notre confrère et point focal, Erobaza et Bélé Nakikwit Nabanou Viba Nadisho. Alors, on va prendre les tout derniers intervenants de l'émission pour aujourd'hui. Allô? Moi, Nasuka Aliata Mingi. Ah, Tozoka. Patrick Nagombe. Tozoka. Bon, là, la quête est juste pour le baboué. En tout cas, depuis le monde des Alas Monde, Bande Gonangai, attaque. Tatana, c'est le roi pour été. Dites-moi encore, mais tu vois, va tirer à après, vous tiennes à nous, on va dire, 200 000, 300 000, c'est le roman incroyable. Mais les 10, moi, ce que tu as encore combien? 3 millions de 500 comme c'est là. Vous trouvez ça normal? Et puis, nous, regardons quand tu es ce papa. C'est bon, je l'ai dit, c'était comment vous tenez une dingue de Wana? Alors, destruction méchante. Neko Patrick. Oui. Neko Iga, tout ça, légaliste. Tout ce qu'on a principe, il y a présomption à innocence. Voilà.
Na mo ngolo mama bi. Tukati. Ceux qui vont aller là. Alors, Neko Iga. OK. Bonne. Oui papa. Papa bonheur. Oki ba, Nayoki. Aux chances de lever le ma bête. Non, Nayoki déjà je remercie Binonio Sobaebo pour intervenir. Mais ça pas de quoi qu'ils envoient tes mots na Congo central. Bata Congo central, bata qu'ils envoient na pas Binonio son beauté, hein. Et n'aligné boyo quand Binonio so attentivement parce que boyé ba que une chose. Un pays ne se dirige pas par des émotions. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons des émotions. Avez-vous des preuves tangibles que yoko kende koti kango devant la justice pour dire que l'eau qu'on a fondé le moutou yango yo? Totika la biloko ya biyoka yoka na yoka ki mutake na gauche, na yoka ki na droite, tout kende na ba émotion te, tout à la rationnelle. Et l'eau qu'on a zolo ba yango wana. Alors, j'ai entendu beaucoup d'entre vous, bolobeli mingi bo insister li kambouya mboso. Bo insister li kambouya président, le deuxième vice-président mboso. Déjà de un, nous ne sommes pas ici pour défendre le président mboso, le vice-président mboso. Va te poser biso une question, to sali une analyse au yoke to lobi bon. Pour comment se fait-il que yé azozo nga ka place wana? Ça veut dire que yé na bato bazo composé le pouvoir ba yé bi pona nini bazo tchayé. S'il y a des personnes à qui vous devez demander de vous rendre compte, ce sont les gens au bino bat bo voter. Je vous rappelle que je ne suis pas député na ki koza ba voter pour kende ki bino le peuple. Vous avez voté pour les gens et vous parlez vous tous là aujourd'hui, je veux vraiment vous trancher. Bozolo bela makambuya corruption au haut niveau de l'État. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui commence d'abord. Bino, quand on vient, quand un député vient, pour la Rosenga va vote na Bino. Et que avec un programme, il y a pas mal. A même Bino 10 000 francs, et toi, pèse Bino ma poutate. Bino, beaucoup voté. Bon, vote à Batou en fonction, il y a un moro bazo pèse à Bino. Déjà, à la base, on a un problème, c'est que la corruption, Bino Batou déjà bon dit makamou. Parce qu'il y a très peu de vous qui ont voté pour la campagne électorale sans que vous ayez un franc, vous ayez une idée, un programme et vous votez. Vous avez dit que 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 campagne présidentielle awa, dit que député avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous. Et maintenant, vous semez le vent, vous avez dit que vous et puis vous avez dit que vous avez dit que vous avez. Mais le peuple congolais est le premier à fustiger. La responsabilité est d'abord responsabilité na bisomoko avant que vous ne pointez du doigt ba mboso bozo pointer ba caméra. Mais vous aussi vous faites la même chose quand vous demandez aux députés avant que vous votiez apesa bino mbongo apesa bino maputa apesa bino ba chemise. Mais vous faites la même chose. Vous au que makambo bino bozo funda batou, vous-même vous êtes responsable ya mabe ozo la biso dans le peuple. Parce que si on est un peuple qui est sérieux et qu'on vote les députés en fonction de leur qualité de député, en fonction de ce qu'ils nous ont emmené comme programme, nous avons voté comme tout le monde, papa, on peut s'abuser et l'autre côté. Programme Oyo Lobby, et ça programme Oyo Tondimi, de voter. Même pour ça, la route. Alors, vous avez moi qu'après, le député, il va corrompre pas Kibino, c'est une forme de corruption morale parce que je vais faire ça pour que vous votez Bango. Et Bango, va non. Commençons d'abord par changer nous-mêmes. Vous êtes en train de parler du haut, Bolobi, il y a un mouvement citoyen éclairé et qui est toujours côté de la pouvoir D. Tozo lobela la responsabilité individuelle. Bino moko na moko bino nyoso batubo bengenga sikoyo awa. Soki na lobito banda ko kota na ba secteur ya ba vie na bino comment vous gérez? Est-ce que vous-même vous êtes irréprochable? Est-ce que dans la façon dont vous traitez vos semblables, bino soki ba pesi bino bokondi, est-ce que vous gérez kabatu bien? Moi je viens ici avec des questions. Naye na ba question, naye awa te pona ko ko pesa batu ba leçon. Tozo pesa ba question, eryozo pointer moninga du doigt. Yeba ke eryozo tia moninga musapi, misapi misatu ezozo nga verio. Oza na responsabilité. Tous les Congolais ont une responsabilité dans ce pays. Boyaka awa, vous êtes en train de me faire des grands débats, voilà, me dire oui, le mouvement oh tout le monde, vous n'êtes pas éclairé. Bien sûr qu'on est éclairé. Tozo faire réfléchir bino d'abord quant à ce que makamonyo se tozo sala, la dépravation des jeunes. Est-ce que Eza, jeune, yomoko kozwa conscience te que makambo o yozo sala Eza mabe, il faut moutou out Assemblée nationale a kubo tolo ba geno zomela. Que font les parents dans les familles? Pas parents, est-ce que vous conscientisez sous Bananabino? Est-ce que vraiment vous tenez encore vos familles pour que Bananabino ba kenda gauche, droite te?
Alors, aujourd'hui, on est dans un pays où c'est là que l'État essaie d'élaborer quelque chose. Mais avant que l'État fasse quoi que ce soit pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous faites pour l'État. Bah venir à salité. Est-ce qu'il faut que Bino Bose la OVD tout bah tu vas y connecter bah venu ou bien Bino Mokona bah pas on a bah machette beaucoup c'est la tête qui est avenue est à la propre. Si nous tous nous nettoyons nos avenues, ce qui besoin nous de remarquer qu'on veut être propre, on veut évoluer. Mais les choses vont évoluer. On espère que un scientifique vous a posé une question. Je pense que vous n'avez pas abordé ça. Oui. Il a habillé à la qui rationnel, objectif, aux à la pub. Oui. Il a posé la question sur votre point de vue, dans le plus présent moyenne, 6-5, ça dépendra. Écoutez, je ne peux que encourager mon pays, je ne peux qu'encourager ceux qui sont, par exemple, le président de la République, Azam Mutuo, par qui Dieu passe pour bénir tout un peuple. Nous, en tant que peuple congolais, nous devons le pousser à faire des bonnes choses. Le président de la République, Azapé omniprésenté, Aza omniscienté, et à la président Félix, et à la président Oya Leki, président Kabila, et à la président Oya Koya Lobby. Beaucoup réclamer Kakamakambo. Alors nous, en tant que peuple, nous devons prendre notre part de responsabilité. Le président de la République, il a sa part de responsabilité, il a beaucoup de choses qu'il doit faire, mais nous devons pousser les choses vers l'avant. Certes, Mbokeza Passi, Mamakambo Beleza Bienté, Batbazo Lela, Batbazo, Babilo, Kebelezo avancé, mais Bissomoko, en tant que Congolais, que fait tout ça la Nini? Quelle est notre responsabilité? Namoni Awa, Bolobi, la qualité. Mais la qualité, Bato, Bazo, Mata, Bazo, accéder au pouvoir. Mais c'est les gens qui viennent du peuple d'abord. Et à partir du peuple, il faut que la mentalité change. Là, je suis un peu sur la mentalité n'a biso. Il y a un peu de temps, c'était sur la mentalité. Mentalité n'a biso. Biso, mon retour à l'introspection, tu m'y poses des questions. Et puis, ma cambo, c'est ça, les ma bienté. On met ça sur la place publique de manière réfléchie pour que biso, nous, surtout, trouver un résultat pour faire évoluer ce pays. Merci beaucoup, Ndeko Igor, pour la présence de notre Mbaleno. J'étais l'invité, moi, du magazine, de la deuxième partie. On est à Radio Liberté Kinshasa. Je rappelle que vous pouvez nous suivre également sur Rally FM, notre application. C'est en direct. Hein. Vous pouvez nous suivre. Il suffit de télécharger votre application sur Play Store. Retrouvez cette émission sur CCTV Rally officiel. Neko Ig, la prochaine émission, ça sera prochaine. Est-ce qu'on a répondu à ma question sur votre patrimoine? Si, malheureusement, c'est le temps. Nous allons. Non, je suis juste à dire à tous les téléspectateurs. Boyoka, Batou nous sommes à Yokinaï. Tout ça a arrêté pour que tout soit na tout monde. Tu as vu passer Dieu pour nous voir. Non. Tout ça a arrêté pour que tout soit na tout monde. Tout ça a arrêté pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. On passe ici votre patrouille au Gabon. Mais Mituna peut pas tout ni peut pas répondre Bango. La répondre Bango. Hein? Bah la réponse est comme on va commander que comment il est éclairé mais au dessus du bateau nous ça et tout ça. Nous ne soutenons pas les gens qui veulent soutenir bateau bazo ibate tozo peste tozo tunami tunani ni oyo ko sala que to avancer na mboka to sala parce que l'adhésion doit continuer dans le mouvement. Mais l'adhésion continue dans le mouvement. Le siège tozo finaliser siège pour l'instant te pessinant nous bateau le rendez-vous au niveau en ligne va adhérer en ligne. Ah, on finalise le siège, on va faire une ouverture officielle du siège. Retourner dans Mboka Mobimba parce que Moussala ou tout ça, il y a évolution mentalité. Ça, Moussala, il y a pas si, mais Moutona Mouta font la montée. Ma paix Moutona Mouta sur la responsabilité. Merci beaucoup, Neko Ig. Avec plaisir, je vous retrouve prochainement. Demain, ça sera le tout dernier numéro de la semaine. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci infiniment, Bola Moukana. Ton pose et la rendez-vous du deuxième parti pour Bose la Botsaï Terminal Benga. On dit que c'est finalement Junior Babengi et Akumi, Junior Kassanda. Alors, Moro Dambé, on se retrouve demain. Ça sera pour le tout dernier numéro de la semaine avec d'autres invités. Rediffusion 20h juste.